C'est parti. Un peu de retard, c'est vrai. Nous accompagner aujourd'hui parce que c'est rare que Isma nous accompagne dans un essai routier avec un de mes abonnés. C'est bizarre ce que je vais vous dire, la famille, mais il y a certaines M5 qui vont pas m'exciter. Mais il y en a, quand je vais les voir, je vais rester, genre je vais faire « Ah ouais, non, là c'est trop ». Surtout que celle-là, évidemment, n'est pas d'origine, frérot. Combien de chevaux sort-elle? 850 et quasiment 1000 Nm. Merde. Ismaël a fait « Oh ». Ça fait combien l'origine, normalement, là-dessus? 625. Ah ouais, quand même. C'est d'origine, c'est sérieux, frérot. Ouais. C'est un monstre. Ismaël, t'en as beaucoup vendu des comme ça? Cette génération-là, j'en ai pas encore vendu, non. C'est une voiture que t'aimes bien, ça, papa? Ah, j'adore. Ça, tu roulerais ça, Isma? Franchement, ouais. Ouais, tu roulerais. Ouais, mais toutes les générations confondues de M5, hein, y a eu la M535i au départ, oui. La E28. Après, bah, la E34, celle que j'ai. La E39, c'était stylé aussi, là, ouais. Le V8 400 chevaux, la boîte méca. En troisième lancée, c'était quelque chose. Tu penses qu'un jour, tu auras une comme ça? Franchement, si je trouve une bonne opportunité, ouais. J'irai pas en phase 2. D'accord. Avec les feux un peu restylés, oui. Parce que la phase 1 et phase 2, à part les feux, il n'y a rien d'autre. Et puis ici, un petit peu l'intérieur un peu amélioré. C'est une voiture qui te franchement, j'aime bien, ouais. D'accord. Ouais. J'aime bien, mais bon, après, c'est pareil si ça se présente. Sinon, oui, voilà, je ne vais pas forcément aller chercher. Toi, c'est comme ça, c'est quand tu as une belle occas, tu l'as saisie pour ta collection personnelle. Tu vas pas non plus chercher, t'es pas, oui. Je t'en fiche, tu vois. Mais oui. Si ça vient, ça vient, quoi. Si ça vient, oui, ouais. Je dirais pas non. D'accord. Mais franchement, toutes les M5, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu l'as bien dit, toutes générations confondues, elles ont vraiment été des voitures légendaires. Hein, frérot, elles ont vraiment été, c'est vraiment des voitures de dingue, le M5, quoi. C'est M5. Vachement, c'est légendaire, comme c'est le M3, le M5, c'est comme ça. Et le V10, c'était que sur la E60, du coup. E60, V10, bah d'ailleurs, M, je crois, c'est le seul V10 qu'ils ont fait, c'était sur M5 et M6. Quel moteur, indécent, frérot. 10 cylindres. D'ailleurs, on attend toujours que l'autre remette la durite pour aller l'envoyer en enfer. Sachez-le. Elle est au chaud là-bas. Ça, je ne l'ai pas oublié et personne ici a oublié ce moment. Et je crois que personne n'oubliera cette vidéo, je crois aussi. Écoutez, on est parti, frérot, je vais te laisser démarrer. Ok. Et puis, bah vas-y, let's go, hein. J'en ai rien qui est arrivé, frérot. Quelle horreur! Turbo qui souffle. Putain. Ouais, ça va être un beau. C'est top pour filmer de mais par contre sur la route il suivait pas. Ouais, au pire, après, ah frérot, j'avais l'impression, je savais pas où j'en étais. Ça va, Ismat? Oui, ça va. Ouais, ouais. Mais en fait, tu sais, quand ils ont sorti ce modèle de M5, c'était un peu, il y a eu une discussion à travers le oui M5, ça a toujours été des propulsions, pourquoi 4 roues, etc. Bah là, sincèrement, on a bien vu la différence. Ah bah oui. Entre la propulsion et la 4 roues. Et je peux te dire que le 4 roues motrice, là, c'est archi important. C'est un élément de sécurité. Avec tout le couple qu'il y a, toute la patate. Ouais, mais nous, on recherche l'émotion, Ismaël. Oui, mais c'est mieux, les 4 roues. Faut laisser les 4 roues. Merci à toi, mon frère. Baba, il faut dire quelque chose, frérot, que avant que je vienne commencer à acheter des Rolls-Royce et Bentley, c'était des marques que tu ne connaissais pas vraiment. Absolument pas. Et grâce à ma débilité, c'est là que tu as commencé à t'y intéresser. Aujourd'hui, frérot, après avoir vu Phantom, les Rolls, etc., aujourd'hui, et cette génération de Continental ZB, qu'est-ce que tu peux dire, frérot, sur ces marques? Bon, en fait, c'est totalement une découverte. Alors juste, je veux rectifier ce que tu as dit, c'est ta culture, je préfère le par rapport au mot que tu as employé, je sais plus ce que c'était, débilité. Mais ta culture, ouais, de la débilité, pardon, ta culture, parce que vraiment la dernière fois quand t'avais posté sur notamment la blanche et que t'expliquais les détails, etc., bah j'ai apprécié parce que j'ai appris des choses. T'as regardé, Isma, j'ai une vraie question, frérot. Oui. Mais réponds-moi vraiment, frérot. Oui, bien Est-ce sûr. Est-ce que tu regardes nos vidéos ou jamais? Mais évidemment que je les regarde, je suis obligé de me tenir au courant de l'actualité. C'est important. Est-ce que parfois, quand tu regardes les vidéos quand t'es à la maison, quand t'es tranquille ou quoi? J'apprécie. Non, franchement, c'est en général, souvent, je mets le matin. D'accord. Je laisse en fond, donc je regarde pas l'écran, mais j'écoute. D'accord. Comme ça, au Est-ce moins, que parfois je... tu rigoles tout seul ou tu tiens la vachement. Tête ou tu te dis c'est pas vrai? Mais l'autre fois, si entre midi et deux, quand j'étais en train de bouffer mon casse-dalle, je l'ai mis devant l'écran. Tu sais, quand t'as filmé, quand GMK filmait là. Ouais.
et qu'il roulait n'importe comment. Le R7. T'étais à côté, t'en pouvais plus. Ah, il m'a fait, m'a fatigué. Qu'est-ce que j'ai éclaté de rire. Qu'est-ce que c'était drôle. Est-ce que, vraiment, c'était drôle. Parfois, frérot, est-ce que t'arrives à me sentir si je commence à me lasser ou quelque chose à travers une vidéo? J'ai du mal, hein. Ouais. Là, j'arrive pas. Mais ouais. Est-ce que t'arrives, alors quand je suis en face de toi, est-ce que tu sens oui. quand je sais quand, ouais, je sais quand t'as la pêche, je sais quand t'as un peu moins la pêche, on va dire. Est-ce que t'as à répondre, mon frérot, aux abonnés qui regardent les vidéos d'il y a 3 ans, avec ton premier passage avec Riri, et qui te disent que toi, t'as pris une décote oh, mon en Dieu, 3 ans. Comment j'ai pris cher dans les commentaires, ouais, c'est incroyable. Mais par contre, tu sais, il y a un truc qu'on se dit avec Riyad, c'est qu'à chaque fois, Riyad et moi, on en prend plein la gueule, mais toi, comme t'es notre papa à tous, frérot, tout le monde t'aime et tout le monde a un respect pour toi qui est incroyable. Merci, merci, c'est tellement généreux. Putain, tu me fais penser à quoi? Tu sais là, le mot généreux, ouais, j'ai les tapis de la Mini que j'ai fait chez Rolls, frérot, que je vais te donner. C'est tellement gentil. Non, mais ouais, je les remercie, vraiment, c'est sympa, c'est encourageant, au moins ça prouve que... Non, je te jure, ça me fait vraiment plaisir. Ouais, mais c'est cool, et, vraiment, et c'est les sympa. Amis, à la fin de cette vidéo, je mettrai dans la pastille de suggestion la première vidéo d'Isma où il est arrivé sur la chaîne. Donc toi, mon frérot, ça, tu découvres quelque chose. Bon, on va pas mentir, le marché, il est mort quand même là-dessus. Ça doit être très compliqué. C'est compliqué. Ouais, alors, oui et non, dans le sens où, comme il n'y en a pas beaucoup dans le marché, il y a quand même potentiellement des acheteurs. Ouais. Ça peut aller très, très vite, comme ça peut prendre du temps, mais il faut être patient. Mon cher Isma, c'est très statutaire. Statutaire. Oh là là, c'est le jeu. Là, Isma, il a sorti un mot, frère. Statutaire, il m'a enlevé 2000 balles. Déjà, pour commencer. Déjà, c'est bonjour. Alors, la voiture, elle est statutaire. Statutaire, ouais. Frérot, c'est pas, je viens vendre ma voiture, je suis client, je le connais pas. Il me regarde, il me dit, monsieur, votre voiture est statutaire, sort direct. Décote direct. Là, la voiture a pris une décote juste avec ce qu'il vient de dire, Isma. Elle est vraiment très belle. Les goûts, les couleurs, c'est une grande discussion. Hein. Bah, franchement, là, je pense que ça peut quand même plaire. Ah, ouais. Ça peut quand même plaire parce que, honnêtement, la couleur, elle est vraiment ouf. Et donc, ça, c'est le bruit, évidemment, donc du claquage. Les ingénieurs de chez Mercedes, ils perdurent la tradition de ce même bruit depuis à peu près les années 90. Et c'est vrai que le Class G, quand tu l'ouvres et que tu le fermes et que tu le verrouilles et que tu le déverrouilles, eh bien, il y a ce son de fermeture et de verrouillage qui est dingue. Faut savoir aussi que cette version-là n'a plus rien à voir avec les anciens. Quand je dis les anciens, c'est celle juste avant et celle encore avant. Cette génération-là, tu as l'impression vraiment de conduire une Classe S tellement c'est confortable. Etc. La cure du coffre qui est ici, elle est beaucoup moins. Alors le coffre est beaucoup moins lourd que sur les versions précédentes. Ah, il est lourd déjà. C'est lourd, mais c'est pas comme avant où tu devais tirer, etc. Et on le voit ici, le cuir matelassé couleur fauve qui est là. Et il y a quand même un... Là, Isma, la frérot... Isma, frérot, il faut savoir que parfois, il m'envoie des petites douilles comme ça, mais il croit que je ne l'ai pas vu, frérot. Il m'en a fait 3. Là, c'est la 3e depuis que je connais Isma. La première douille... Qu'est-ce que j'avais... Ah oui, quand j'avais le S63 AMG, j'avais commandé des tapis. Bon, à un moment donné, je m'étais saoulé de la voiture. Il l'avait vendu et je lui avais dit, Isma... Tiens, je te ramène, j'avais reçu les tapis entre temps. Tiens, frérot, je te donne les tapis. Et là, il m'a regardé, il m'a fait une face de queue ture. Il m'a regardé, il a fait oh, c'est tellement généreux, mon accra. Hier, il m'a ressorti une douille. Quand on était en train de manger, je sais plus ce que tu m'as dit. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Je sais plus ce qu'il m'a dit. Et là, encore une fois, oh, c'est beau. Qu'est-ce que t'es généreux. Ah là, Isma, c'est un truc de ouf, frérot. Belle voiture. Isma, t'en penses quoi, mon frérot? À part qu'elle est statutaire. Ah, je me vois bien partir au bled avec ça. Ouais, faire de la route, là. Ouais, bah, en plus, la c'est route, la ville natale de mes parents. C'est vraiment le village, champ de bataille, la guerre, tu vois. Il n'y a pas d'asphalte là-bas, c'est pas encore arrivé. Ouais. Ah, je me vois trop faire du 4x4. Ça t'a jamais chauffé, ça, Isma? Pas plus que ça, mais encore une fois, tu sais, c'est chacun son utilisation. Et pour mon utilisation quotidienne, qui fait beaucoup de parcours urbain, donc les petites routes, etc., c'est trop compliqué de manœuvrer ça dans les petites rues où j'habite, etc., où déposer les gamins. Enfin, c'est quelque chose quand même qui est très large, assez imposant.
Moi, j'ai plus de facilité ou de feeling avec une petite berline, une compacte, qu'un gros morceau comme ça. C'est assez volumineux, hein. C'est impressionnant. Regarde déjà comment c'est large. Tu galères dans les parkings ou faire déjà, gaffe. Les parkings parisiens, c'est mort. Oui, voilà, c'est ça. Du coup, même moi, chez moi, j'ai une maison. Ouais. Pareil, ils ne rentrent pas dans mon. Ils ne rentrent pas dedans. Non. C'est le vrai problème, les amis. L'inconvénient, c'est ça. Du G. C'est qu'ils ne rentrent nulle part. Voilà. Et même la largeur. Oui, la largeur. Parce que moi j'en avais un en 63 et en 65. Après, je touchais le toit à un moment donné, frérot. Tu fais refaire que des toits chez le carrossier. L'autre il te dit, mais arrête de venir, frère. Mais regarde le Q7 à côté, il est tout petit. Oui, le Q7 ouais, est tout petit. Avec Q7 à côté. Tu veux pas te mettre là plutôt? Tu es bien installé, je vais me mettre au milieu. Tu vas te mettre au milieu, ouais, t'es sûr? Je vais me mettre au milieu. Non, je vais me mettre au milieu, c'est mieux. Putain, le bruit des portes, la mafia! Ok, well, qui bloque les sorties d'autoroute, donc on les embrasse. Isma, merci mon frérot. Merci à toi, mon Akram. Reste toujours attentif. Isma, là, tu vas acheter quoi bientôt, mais pour toi, frérot, en perso? Moi, est-ce que c'est pas prévu? Bah si, mais d'ailleurs, il faut qu'on aille le voir. Ouais. Bah là, c'est en cours de négo, mais je sais pas encore, je l'ai pas vu la voiture, d'accord. Donc je vais être sûr. C'est bête comme voiture? Ah ouais, c'est très idiot. Ouais. C'est très con. C'est stupide. Ouais. Je peux te dire que c'est un V12. Voilà. Bah, très bien. Donc, pour donner un peu une idée, une envergure du décor, mais c'est presque bon. Normalement, il n'y a aucune raison que ça n'aille pas au bout. Normalement, ce soir, c'est validé. Ouais. Et entre quelle année et quelle année, pour que mes abonnés puissent dans les commentaires poser leur pronostic sur ta nouvelle voiture? Ah, tu me connais, je suis un ancien, hein, toujours dans les années 90. Donc on est dans les années 90 et c'est un V12. V12, ça ouais. Les amis, à vous de jouer. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à après pour une nouvelle vidéo de la famille. Bon, je te laisse expliquer. Oui, alors c'est une BMW M5 34. Je vais pas regarder l'année, je sais même plus de quelle année elle est là. On s'en fout. Ouais. On s'en fout, c'est une voiture de collection. Donc elle a pas beaucoup de bornes, elle est dans son jus, elle est. Alors au niveau de la mécanique, c'est strictement d'origine, il n'y a pas de transfo, il n'y a rien. Et elle a toute son énergie, etc. Elle fonctionne très bien. Ouais, on a vu. Bon, je sais pas si on va pouvoir trop exploiter, parce qu'avec le temps, le sol mouillé, etc., on se rendra peut-être pas bien compte de comment elle marche, mais ouais. ça marche pas trop mal. C'est une voiture de bandit. Ah, c'est une vraie voiture de bandit, ouais. Là, la famille, on ne peut pas dire le contraire. Même celui qui n'aime pas BM, ouais, doit reconnaître que cette M5 de cette catégorie, de cette génération-là, c'est évidemment bandit. Riyad, je te laisse filmer. Frérot, l'intégralité de la voiture, elle est magnifique. Isma, bravo à toi, frérot. Les amis, il faut savoir aussi un truc, c'est que Isma, donc pour ceux qui le connaissent, bah, on ne va pas raconter la sauce, mais ceux qui ne le connaissent pas, donc il est propriétaire d'un garage qui s'appelle Vend Mon Auto, dans lequel j'achète toutes mes voitures depuis maintenant presque un an, c'est ça Baba? Plus d'un an maintenant. Et par contre, Isma se constitue évidemment une collection personnelle en parallèle de tout ça. Donc il a aussi des belles pépites que vous avez pu voir sur ma chaîne, notamment donc 205 GTI, frérot. Oui. Corrado. Oui, VR6. Corrado VR6, Golf VR6 aussi. VR6, exact. Ouais. Bon, là, il a acheté une Porsche Taycan. Pour le plaisir. Ouais, ton délit. T'as quoi d'autre, Babac, d'ailleurs? Bah là, je viens de récupérer une 993. Ah oui, la 993 qu'on filmera évidemment, mais qui n'est pas une 993 comme d'habitude, parce que c'est là un body kit. Et y en a une autre aussi, mais elle arrive. Elle est quasiment validée, mais tant que je suis pas sûr, non. T'as raison. Il faut pas le dire. Ouais. Il faut pas dire. Il y en a une en restauration chez Mario aussi. C'est une ancienne voiture. Et une autre 205 GTI, parce que celle que j'ai là, c'est une Alit 6 et une autre en Alit 9. Ouais. D'accord. Et j'ai une question, frérot. Pourquoi tu t'aimes les voitures anciennes ou c'est juste comme ça? Bah en fait j'aime bien parce que ça dégage quelque chose, ça me rappelle aussi des souvenirs en fait, et moi je suis quelqu'un un peu de nostalgique, j'aime bien avoir des petits flashbacks en arrière de temps en temps, et puis c'est surtout ça en fait, hein. Mais en fait il faut que tu saches que le phénomène qu'il y a eu du young timer, etc., donc ouais, c'est cette idée de se dire en fait un jeune d'il y a quelques années, ouais, aujourd'hui qui a une quarantaine, se dit aujourd'hui j'ai les moyens de m'acheter la voiture, donc je vais aller acheter ce que j'ai pas pu acheter à 20 ans. Sûr. Et c'est ça qui a fait grimper les valeurs de ces anciennes voitures.
Bah, en fait, moi, enfin, je dis pas ça pour me vanter ou quoi, mais j'ai toujours eu en fait cet esprit de j'aime bien ce modèle, etc. Donc, d'accord, bien avant cette mode de Youngtimer, j'avais déjà, d'accord, des anciennes voitures. Ok, c'était ton délire, voilà. Ça a toujours été ton délire. J'ai eu des Golf VR6, pour ceux qui me connaissent, des Corrado. Corrado, j'en ai eu plusieurs aussi. Des 205 GTI, évidemment, tu vois, ce genre de bagnole. Et en fait, même quand j'étais au lycée, etc., c'était avec ce genre de voiture que je roulais, alors que tu avais des copains qui roulaient plutôt avec des voitures un peu plus modernes, oui, des Clio 207 ou je sais plus, 206, je sais même plus ce qu'il y avait à l'époque, mais tu vois, plutôt du truc moderne, alors que moi j'allais avec ma vieille voiture. Et ça a plus, voilà, de dégâts de mon frère. Mais ouais, c'était une philosophie et j'ai toujours gardé cet état d'esprit, et, tu vois, pour dire, même des amis proches. Bah, qui n'étaient pas du tout intéressés par, oui, ce genre de trucs, sont mis aussi à acheter des petites voitures. Genre Humite, par exemple. En l'occurrence. Oui, lui, il a toujours été dans le même état d'esprit que moi, par contre. Mais d'autres copains aussi, notamment un de mes meilleurs amis, bah, qui a acheté une belle E30 et une autre, une Corrado aussi, et là, qui est en train de refaire aussi une Golf VR6, tu vois. Donc vous êtes dans ce délire-là, des anciennes, etc. Ouais, j'aime bien. Okay. J'aime bien. Bah, moi, je valide totalement. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous parler de, professionnellement parlant, frérot, est-ce que tu peux nous parler de cote de cette voiture, comment ça se passe, le prix, etc., la fourchette, quoi. Alors, c'est des cotes montantes maintenant. Est-ce que ça va s'envoler? Je suis incapable de dire parce, ouais, que, tu vois, pour revenir tout à l'heure, j'ai eu aussi des M3E36 que je regrette terriblement d'avoir vendu. J'ai même, oui, eu une 528i E12, ceux qui connaissent, oui, l'équipe, ce qu'il avait, Jacques Messrine. Ouais. Tu vois, et ça, c'est une voiture, à l'époque, j'avais payé ça, je ne sais plus, 2500, 3000 euros. J'ai dû revendre au bout de quelques temps 4000 ou 5000, ouais, euros. Aujourd'hui, il n'y en a même pas à vendre. Bien sûr. Et donc, une voiture comme ça, bah, pareil, ça se trouvait pour pas trop cher. Aujourd'hui, les prix, ils ont quand même augmenté. C'est, par exemple, tu as la génération d'après qui est une E60. Bah, qui coûte, même tu as la E39 avant la E60, pardon, qui coûte à peu près les mêmes prix en fait. Oui. Donc plus les voitures sont anciennes et plus les valeurs, elles augmentent. Maintenant, est-ce qu'elles vont augmenter beaucoup? Parce que quand tu regardes par exemple une M3E30, bon, après qui a un kit bodybuildé, oui, etc., qui vaut extrêmement cher, oui, bah, une E46 par exemple, qui est bien plus moderne, plus récent, tout ce que tu veux, bah, ça coûte moins cher. Oui. Mais les valeurs aussi, elles stagnent beaucoup. Dans le pire des cas, tu ne perds pas d'argent. Oui, voilà, ça, c'est ça. C'est aussi ça qu'il faut, voilà, dire. Donc aujourd'hui, là-dessus, on est sur un budget entre quoi, 10 et 20 Ouais, on va dire plus entre 15 et 20 à peu près. Entre 15 et 20, voilà. Donc c'est à peu près une fourchette. Maintenant, voilà, quand tu achètes ce genre de voiture, il faut vraiment avoir un état d'esprit de je l'achète pour le kiff, pour, oui, kiffer avec. Tu ne peux pas travailler avec ça. Voilà, pas te dire bon, je vais spéculer, etc. D'accord. Parce que tu peux autant faire de super affaires, comme tu peux te planter largement, parce que tu vas l'acheter au moment où la voiture est prisée, elle est demandée, qu'il n'y en a pas beaucoup dans le marché, donc automatiquement le vendeur va vendre plein pot. Ouais. Mais si demain, plus personne n'en veut parce qu'elle a eu une mauvaise réputation, je ne sais quoi, bah, tu perds ton argent. Mais normalement, dans le pire du pire, tu récupères toujours plus ou moins ta mise de départ. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a les dépenses d'entretien quotidien, etc. Et là, ça peut chiffrer très vite. Très, ouais, très vite. Dans un hangar, et c'était vraiment pas prévu, mais quand je l'ai vu, ça t'a chauffé. Un coup de cœur, et puis on s'est entendu avec le vendeur. Le pare-choc devant, il n'est pas d'origine. Je ne sais pas ce que c'est. Peut-être que dans tes abonnés, certains pourront me répondre pour me dire, parce que, d'accord, celui-là, je ne le connais pas, ce, d'accord, modèle-là. Les jantes ne sont pas d'origine, mais par contre, je suis déjà en train de négocier pour acheter celle d'origine. D'accord. Donc ça, j'ai déjà trouvé, ça se trouve. Pour que en fait, les gens ne savent pas, mais Isma, c'est quelqu'un de très calme et très doux, pas au volant par contre. Là, je vais être soft. Là. Un ordinateur de bord donne la date l'heure, qui n'est pas réglé forcément. Peut-être parce que je viens de changer la batterie d'ailleurs, donc je pense que si je fais le réglage, ça devrait être bon. Température extérieure, 7 degrés, on est bien. Ah, je vais dire dans les commentaires à titre perso, est-ce que c'était la voiture dans Ronin, parce que je confonds tout le temps ce qu'il y a eu dans ce film, est-ce que c'était la voiture que Dieu ait son âme du monsieur en Géorgie qui faisait des drifts partout et qui s'est tué? Voilà, ça plombe la vidéo, mais c'est bon. Si, je crois que c'est celle-là. Je crois pas que ce soit celle-là. Donc là, on est sur du Motorola. Putain, à l'époque Motorola quand même. Bah oui, justement à l'époque. Vraiment à l'époque. Motorola, ils s'équipaient toutes les voitures de luxe. Qu'est-ce qu'il y a, Babac? C'est chauffant. Ça marche pas? Non, mais je crois qu'on a un peu trop forcé sur l'embrayage. J'ai plus d'embrayage. C'est pas vrai. Je te jure. La vérité. La vie de ma mère, voilà, y a plus d'embrayage. Je te jure. Ah bah ça, c'est beau. Ah, c'est reparti. Ah, c'est reparti. C'est beau. C'est increvable, Isma. Non, mais attends, il y a un bouton on-off, il sert à quelque chose, mais je sais pas quoi. T'as appuyé dessus? Je te jure, là, c'est quand j'ai appuyé sur on, là, il a passé la vitesse. Bah, tout à l'heure, j'ai fait off, mais j'ai appuyé sur on, je sais ce que c'était. Vas-y. Putain,
Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a un truc au niveau du fait, il y a un bouton là. Pont, ah, elle a l'autobloquant, non? Ça se trouve, elle a un autobloquant. On découvre les allées du coup. Regarde, regarde en plus. En dessous de moi. Regarde, regarde. Regardez, regardez. Regardez la famille. Oh là là, c'est un autobloquant ici. Vas-y, Isma. Incroyable. Mais je croyais que j'avais plus d'embrayage, je te jure, elle passait plus des vitesses, c'est chelou. Oh, ça, c'est beau. Ah oui, alors le volant aussi va être refait. Hein. Oui, non, ça, non, c'est horrible. Là, là on n'est même pas dans. Là vraiment, frérot, tout va être refait parce qu'on te fait confiance. Ouais. Mais là, c'est l'heure de l'attaque. Là, c'est la passion. On va te fermer comme d'hab. On a fait fermer les routes. Vous en faites pas, la famille. Là, on a fait fermer toute la zone. Notamment les cousins de Riyad, Aziz et Hamid, Aziz et Hamid. Qui sont avec les Toki qui s'en occupent. Ça chante bien, ça fait un beau bruit. À un moment donné, la famille, pour que vous appréciez les courbes extérieures de la voiture, nous allons faire descendre Riri. De toute façon, Isma, vous comptez bien travailler mon avis, non? Ah oui, oui, j'espère, oui. C'est pas en prévision pour l'instant, mais bon. On va te faire descendre Riyad, Isma? Vas-y. Je vais descendre. Non, je vais rester derrière. Ah, tu je vais descendre pour voir les belles courbes. Hein. Pour voir les belles courbes de la voiture. C'est très important, frérot. Oh là là, ça sent là bon. Vraiment il se bat vraiment le chacal. Qu'est-ce que c'est beau. Tu t'es fait un petit plaisir. Ouais, en même temps c'est fait pour. Ah bah là c'est un très grand plaisir, frérot. C'est plus que fait pour. Mais exact, tu sais, j'avais regardé les vidéos là, je me souviens plus de son nom là, du gars là, c'était un Géorgien, je crois que c'est ça. Ouais. Il faisait des drifts fous. Lui, il avait une conduite en ville, elle était incroyable, que ouais. Son âme trop. Bah, ces vidéos elles tournent encore dans les réseaux et. Wow. Ouais, je fais. Ouais, ouais. Pourtant, tu m'avais arrivé toi. Et non, apparemment, il est décédé. Chiant, lui. Donc, dans cette voiture qui est tombée en morceaux, mais c'était pas lui qui conduisait, paraît-il. D'accord. Bon, de ce que j'ai lu. Pas nos affaires. Oui, ça ne nous regarde pas, comme diraient les inconnus. C'est un petit clin d'œil pour la voiture, c'est tout. C'est un petit clin d'œil évidemment pour la voiture et pour le pilote. Hein. Ouais, ben à son âme. Ben, on lui dédicace cette vidéo. Tiens, on peut lui dédicacer cette vidéo. C'est un truc de ouf quand même. Elle est increvable la voiture. Franchement, ça marche bien. Et alors, c'est super confortable. Et on sent que la voiture est saine, elle pousse quoi. Ouais, elle pousse. Ouais, elle pousse, c'est un son qui est très mécanique, très. Tu vois. Franchement, moi je kiffe. Alors, c'est pas évidemment personnellement ce que j'achèterais, mais je respecte beaucoup hein, le choix d'Isma qui est, que je trouve dingue. Tu vois. C'est une 4 places. C'est une 4 places. Ça sent neuf. Dérangement. Bon, bah c'est beau. Ah oui, oui, grave. Bon, franchement, en tout cas, je kiffe. Félicitations, mon frérot. Merci. Les amis, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous recherchez évidemment Isma. Elle a la santé, hein. Elle a vraiment la santé. On va faire un truc plus simple, la famille. Dans la description de la vidéo, je vais vous mettre tous nos réseaux sociaux, les miens, ceux de Riyad, ceux d'Isma. Comme ça, vous n'avez plus qu'à copier-coller sur Insta et compagnie. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et merci à toi, mon frérot. Merci à vous. Riri, merci à toi mon frérot. Salut. Et puis la famille, je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Force à vous.